Bonjour Jean-Philippe de la Pépinière Botanéa. Aujourd'hui, nous allons parler des fruitiers et plus précisément des agrumes. Quelques petits conseils. Vous venez d'acheter un agrume chez Botanéa Pépinière. Je vous donne les conseils essentiels pour pouvoir démarrer. Première des choses, très important, votre fruitier, il est greffé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des pousses en dessous du point de greffe. Vous allez avoir le point de greffe qui est ici, le tronc du porte-greffe qui est en dessous. Tout ce qui va pousser en dessous, ça va être ce qu'on appelle des gourmands. Si vous laissez les gourmands, vous risquez de perdre votre variété et en plus, ça va pomper toute la sève. Donc première chose à faire, les éliminer. En faisant ça, on évite de perdre la variété. Deuxième chose importante, il faut éliminer les branches qui vont monter toute droite. Pourquoi ? Au niveau des fruitiers, vous avez des hormones. Les hormones qui vont aller dans les branches qui montent sont des hormones de croissance. Les hormones qui vont aller dans les branches latérales sont des hormones de fructification. Donc toutes vos branches qui vont monter un petit peu trop droit, il faut les éliminer. Nous allons éliminer celle-ci, mais également celle-ci. Ensuite, ce qui est important, c'est l'équilibre de votre arbre. Ne le taillez pas trop sévèrement, taillez-le après une fructification. Vous allez me dire, si c'est un citronnier 4 saisons, ça fructifie toute l'année. Oui, c'est vrai, mais à ce moment-là, dès que vous avez fait une grosse récolte, vous pouvez commencer à le tailler et vous n'êtes pas obligé de le tailler en entier. Au niveau du sol, bien drainant, les sols schisteux avec peu d'argile sont très bien. Ils ne supportent pas les excès d'eau. Au niveau de l'exposition, plein soleil, évitez les coins trop ventés qui vont risquer de faire tomber les fleurs. Au niveau de l'engrais, très régulier, notamment quand il y a les fruits, n'hésitez pas à en mettre tous les 2-3 semaines. Au niveau des engrais, relativement simple. Vous allez avoir essentiellement deux types d'engrais pour les agrumes. Un engrais en poudre, un engrais liquide. L'engrais en poudre, vous allez tout simplement le diffuser à la surface du plant en ayant préalablement gratté et bien arrosé après. Et au niveau de l'engrais liquide, vous allez le mélanger à votre arrosoir et arroser votre plante avec. Comme ceci. Voilà pour les premiers conseils pour pouvoir démarrer votre plantation de fruitiers. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver tous nos fruitiers sur www.botanea.nc, dans nos dépôts ou dans notre pépinière. À bientôt.